Salut à tous et à toutes, ici Menelitia. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation des blocs secrets de Minecraft, ou du moins les blocs qu'on ne peut pas avoir directement dans la main et qu'on ne peut avoir qu'en faisant une commande worldly. Donc on va commencer de suite. Alors je vous ai préparé une longue série. Et voilà, donc tous les liens, toutes les commandes seront dans la. Tous les nouveaux blocs seront dans la description, il n'y a aucun problème. Donc on va commencer avec les deux pistons. Alors pour ce faire, on va faire la sélection du premier. Donc c'est le piston 15. Vous faites slash slash 7 pistons. Et les metadata de point 15. Et voilà, vous aurez le nouveau bloc. C'est un piston, c'est juste une face, juste la face qui pousse, mais de tous les côtés. Pareil pour le sticky piston. 7. Sticky, je sais plus comment je l'ai marqué. STICKY. Piston. 2.15. Paf. Voilà. Donc ça pourrait être pas mal, ça, pour faire des caisses par exemple. Voilà, par exemple. On a aussi le dropper et le dispenser qui réagissent pareil par rapport au metadata. Donc dropper 15. Alors personnellement, j'ai toujours pas compris l'utilité du dropper. Je suis peut-être un petit peu vieux jeu. Je suis un peu rétro. Du coup, le dropper, je ne connais pas. Je connais même pas son utilité. Donc voilà. Mais je sais que avec le metadata 15, toutes les faces sur le côté sont pareilles, comme vous pouvez le voir. Le dropper du coup est dessus. Voilà, pour jeter les items. Ou pour récupérer les items. Je sais pas exactement à quoi ça sert, donc je peux pas plus vous en dire. Donc surtout pour le dispenser. Le dispenser c'est plus flagrant. Je vais vous le montrer. Slash slash 7 dispenser 2.15. Les commandes que je marque marchent très bien aussi avec l'idée du bloc. Donc là j'ai marqué le nom, mais on peut très bien mettre l'idée. Donc là on va mettre on va mettre 64 de stone. Quand je l'ai mis dedans et j'appuie sur le bouton, les blocs vont sortir d'en haut. Vous pouvez le voir, ils sortent là. Hop, on va les remettre. Donc dispenser et dropper c'est 2.15. Pareil pour les pistons. Voilà. Donc maintenant on va passer à un truc que j'aime beaucoup, qui permet de faire qui vous permettront de faire de magnifiques arbres. Donc c'est les bûches. 7 log. Donc log, vous pouvez mettre l'idée du bois aussi, hein, comme d'habitude. Moi je mets log 15. On a 7, 14. 7, 13. Et là 7, 12. Voilà. Donc c'est des bûches de bois. Sans la marque du coupure en fait. Sans la marque de coupure du bois. Ce qui vous permettra de faire des arbres un peu plus beaux, on va dire. Après, il y a un complément, c'est les feuilles. C'est le même principe que leaves 12, leaves 13, leaves 14, leaves 15. Alors la particularité de ces feuilles, c'est qu'elles ne disparaissent pas quand on fait avec Worldly. Par exemple, alors là, ça commence à être compliqué. J'ai pris deux outils. L'un, je vais mettre un brush sphérique de leaves, donc normal, leaves 2.1. pour les feuilles leaves 2.1 pour les feuilles feuilles de pin. On va prendre le même outil là, celui-ci, donc en mettant leaves en mettant ce bloc là, le 2.13. le 2.13, comme vous pouvez le voir, je l'ai posé. On verra à la fin. Donc celles-ci sont censées disparaître
et celles-ci sont censées rester. Donc on va voir ça à la fin du tuto. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir aussi ici, je n'ai mis aucun bloc de bois, hein. Donc aucune bûche, parce que au contact de la bûche, les sphères avec les dites de leaves toutes basiques tiennent. Alors que là j'en ai pas mis, donc c'est pas censé tenir, c'est censé disparaître. Et celle-ci, j'ai fait pareil, mais sauf que j'ai mis celles qui tiennent. Donc on verra ça à la fin de la vidéo. Continuons dans les commandes. Alors on a le 43.8, qui est les doubles dalles de stone, sans marque au milieu. 7.43.8, voilà. Donc les blocs, pas mal. Celles-là sont assez connues. Hein. Sont assez connues. Maintenant, on va passer à l'aine de portal. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que on peut quand même placer, mais on peut placer. Je pense que les personnes ne connaissent pas forcément l'idée du bloc. Donc, voilà. Donc là, je l'ai marqué, mais bon, c'est pas vraiment un bloc secret, on va dire. Hop. Donc là, le bloc. Comme vous pouvez le voir en dessous, on voit rien. Mais au-dessus, on peut voir un vide. Donc c'est pas mal pour faire une illusion de trous. Par exemple, pour je sais pas, pour une map Skyland, pour faire un chemin, par exemple, voilà, comme ça. Faire une illusion de route où on tombe, sans tomber. Avec les petites particules, c'est pas mal. Maintenant, on va passer au bloc 36. Le bloc 36, c'est le bloc invisible. C'est le bloc piston, en fait. C'est l'espace entre le piston quand il est poussé, en fait. Je vais vous montrer ça. Donc, le piston, on va prendre redstone, comme vous pouvez le voir. Piston là, si on met le redstone. Donc le bloc 36, c'est le bloc là. C'est le bloc d'air au final. C'est censé être un bloc d'air, en fait. Voilà. Donc je l'ai fait au-dessus aussi, mais bon, il se voit pas. Donc j'ai mis de la lave au centre, on le remarque. J'ai fait ça avec de l'eau et de la lave. De la sélection. Là, entre autres, je vais faire My Place. Glace. Glace par 36. Comme vous pouvez le voir, paf. La lave tient et l'eau tient. Donc j'en profite pour faire un petit parallèle. Donc je fais cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez voir également dans ma chaîne YouTube un vidéo tutoriel pour voir l'edit pour les commandes de base. Donc, je vous incite à aller le voir. Je mettrai le lien aussi dans la description. Donc voilà. Et enfin, on va passer aux pumpkins, différentes pumpkins. Donc celles-ci, elles sont pas mal. C'est les pumpkins normales, sauf qu'on n'aura pas la tête. Skin du visage, en fait. Hop. 7 M skin 2.15, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc on voit pas la tête, et en dessous on voit bien par contre le dessus et le dessous. Et là pour le jack-o'-lantern, c'est pareil, c'est toujours l'idée 2.15, la méthode taille 2.15, sauf que là c'est avec Jack-o'-lantern 2.15, et là voilà. Donc là c'est pareil, c'est exactement le même, sauf que lui il est clair. Si je mets Time Night, voilà, c'est pas très flagrant. Je sais pas si ça va changer grand chose. Celui-ci éclaire, celui-ci n'éclaire pas. Je vais mettre le brightness bas. Voilà. Là, c'est plus flagrant. Voilà, voilà. Setting. Tac. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait le tour. On va voir où en sont les feuilles. Eh bien, je ne vois pas de différence pour le moment. Ce qui est totalement bizarre. Je crois que j'ai fait un petit accéléré pour vous montrer que les feuilles disparaissent bien, en fait, au final.
enlever des deux côtés, en fait, ce sera plus fermé. Hop, hop, hop. Vous avez pu voir, celle-là, elle a disparu, alors qu'ici, ça va bouger. On va attendre un petit peu encore. Voilà, hop, en dessous, ça a encore disparu. Celle-ci se supprime bien, voilà. On remarque, celles-ci se disparaissent, celles-ci ne disparaissent pas. Donc, ben voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je suppose qu'il existe d'autres blocs comme ça avec des metadatas, des blocs secrets, on va dire. Je pense qu'il en existe d'autres. Donc éventuellement, si j'en retrouve, je ferai une deuxième vidéo. Ben voilà, merci de m'avoir regardé, et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, et puis voilà, donc merci de m'avoir regardé, et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut salut!